Nouvelle vidéo Black Friday, deuxième épisode. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, on va faire le tour des meilleures offres Black Friday. Il y a énormément d'offres. N'hésitez pas à voir déjà la description pour retrouver les offres de cette vidéo. Mais la première ligne de la description, ce sont tous les bons plans que je répertorie sur mon site directement Black Friday 2021. Donc je ne peux pas faire le tour à chaque fois de toutes les offres, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'offres. Donc n'hésitez pas à regarder directement par catégorie. On commence comme d'habitude premièrement par les composants PC. Ça fait plaisir, le Ryzen 7 5700G, baisse de prix 319,90€. Je le rappelle, tout ce qui est AMD Ryzen avec un G, c'est qu'il y a une partie graphique intégrée. Donc pourquoi pas se monter un petit PC en attendant que les prix des cartes graphiques soient plus cléments. Ça permet de jouer, on va dire, en 1080p, qualité faible. Et donc baisse de prix sur le Ryzen 7 5800X, 369,90€, ça fait plaisir. Donc pourquoi baisse de prix? Parce que son concurrent, c'est le Core i5 de 12e génération, le 12600K. Donc là, il s'aligne un petit peu et donc les cartes mères qui sont super intéressantes en B550, c'est moins cher que les Z690, notamment ici. Un prix très intéressant sur la B550M Plus de chez Asus TUF en version Wi-Fi, 126,99€. Et donc, autre processeur AMD à prix intéressant, le Ryzen 5 5600G, 247,90€. Hier, elle était à 1€ de plus. Au niveau des DDR4, toujours de très bonnes offres ici, 16Go en DDR4 3200, faites attention, ça part vite. Donc 52,99€ pour 16Go, c'est canon, regardez, j'ai craqué, donc il reste la version noire, je vérifie, non, il n'y a plus la blanche, et la version rouge, donc ça part très très vite. Également en version RGB, là c'est vraiment top, j'ai craqué aussi, 64,99€. Nous avons 32Go ici en DDR4 3200, il ne reste que plus que les versions rouges, c'est vraiment top hein, pour 32Go à ce prix-là. Également, celui qui veut plus de RAM pour son PC portable, nous avons une barrette de 8Go en DDR4 3200 pour 25,99€. Je crois qu'il y a 2666 aussi, mais un peu plus cher, 26,99€, donc c'est vraiment top. Il n'y a vraiment rien à dire pour un peu booster son PC portable. Également, au niveau SSD, il y a toujours pas mal d'offres, hein. Notamment ici le Samsung 980 500Go pour moins de 50€. Nous avons également le Samsung 870 QVO 1 Tera, donc format SATA, pour moins de 70€. Nous avons également le Samsung 980 NVMe 1 Tera pour moins de 80€. C'est tout simplement excellent pour ce SSD PCI Express 3.0. Également, en version 2 Tera, nous avons le Crucial P2 pour 150€. C'est vraiment excellent. Là, ça peut permettre d'installer énormément de jeux. Donc 2 Tera, c'est très confortable. Et donc celui qui cherche du PCI Express 4.0, le Adata. Donc je le rappelle, ils ont presque tous les mêmes puces mémoire, presque tous le même contrôleur, donc faut prendre le moins cher. Donc c'est un des plus performants actuellement qu'il y a sur le marché, le Adata, pour 129€ en appliquant le coupon, c'est vraiment top pour du PCI Express 4.0. Pour finir sur les composants, nous avons un SSD très intéressant, Western Digital Black 500Go pour 84,99€, mais à ce prix-là, heureusement, on a envie de dire, il y a la licence de Battlefield 2042 qui coûte elle seule presque 60€, donc ça peut être toujours super intéressant. Je l'ai moi-même acheté, j'ai joué un petit peu déjà, donc je l'ai même acheté sur 59€, je l'ai acheté sur Origin, donc pour vous dire, si j'avais su, j'aurais acheté plutôt cette offre-là. On continue avec la section boîtier, alimentation, refroidissement. Premier boîtier, plutôt un boîtier entrée de gamme, Enfortex Lynx, format ATX, 36,99€ pour se monter un petit PC, ça peut être vraiment pas mal. Donc du RGB en façade, le petit ventilateur à l'arrière, donc c'est pas un boîtier ouf, mais pour ce prix je trouve que c'est vraiment très correct. Si vous cherchez une alimentation pas trop mal et pas trop chère, Seasonic 550 watts 80 plus gold pour une 50aine d'€, c'est pas mal ici chez Rue du Commerce. Et si vous cherchez plutôt une alimentation haut de gamme, 660 watts 80 plus platinum de chez Fractal Design full modulaire pour 92,99€. Et on ne présente plus la marque Arctic au niveau rapport performance prix au top, donc Arctic Freezer 34CO pour 28,89€ avec le petit coupon appliqué, donc il est vraiment très sobre, mais au niveau compromis, silence et performance, c'est vraiment excellent. Autre ventilateur qui peut être intéressant pour moins de 35€, Enfortex Sculptor, donc deux ventilateurs adressables RGB, 6 caloducs, donc ce serait un type de ventilateur qui serait à tester, mais pour le prix, je le trouve relativement beau et assez monstrueux. Toujours avec la marque Enfortex Atria, pour 44,95€, un water cooling 120mm, blanc et adressable RGB. Et celui qui cherche un gros water cooling ici, 280 mm de chez Arctic, le Liquid Freezer 2 adressable RGB. Donc coupon appliqué, on va faire le calcul ensemble, j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Donc ça fait prix final 86,62€, mais faites bien attention à l'épaisseur, il est assez épais et 280 mm ça rentre pas dans tous les boîtiers. Allez, on passe à la section écran. Je vous rappelle, sur mon site, il y a énormément d'écrans, donc je peux pas tout revoir dans cette vidéo. Premier écran multimédia ici de la marque Xiaomi, le Mi Monitor 1C, donc moins de 100€. Je le rappelle, chez Darty, 30€ offerts tous les 200€ d'achat avec le code Darty30. Donc ici, super intéressant pour un 24 pouces 60Hz avec une dalle IPS.
un concurrent de la marque Huawei, 24 pouces, 75 Hz, dalle IPS, 109,99€, c'est vraiment très intéressant ici chez Amazon. Pour ceux qui cherchent plutôt un écran gamer, nous avons un MSI 24 pouces avec une dalle VA 144 Hz, compatible FreeSync Premium et G-Sync, donc il était à 179€, nouvelle baisse de prix, 169€. Autre écran super intéressant directement sur le store de chez Acer. Donc le prix final directement dans le panier, ce sera 279,90€ pour un écran 27 pouces QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 170 Hz avec une dalle IPS, donc caractéristique au top pour 279€. Nous avons une nouvelle baisse de prix sur l'écran de chez Asus, 27 pouces 280 Hz avec une dalle IPS. C'est un des plus réactifs du marché, 1080p, à ce prix-là ça se comprend, Nvidia G-Sync, 328,99€, ça fait plaisir. On passe maintenant aux périphériques gamer, c'est-à-dire clavier, souris, casque, il y a même des fauteuils et il y a même des webcams. Première souris, donc nouvelle baisse de prix sur la Razer Desator Essential, moins de 20€, ça fait plaisir, donc c'est vraiment top à ce prix-là, il n'y a rien à reprocher. Autre souris qu'on ne présente plus, Logitech G502 Hero que j'ai déjà présenté pour 32,99€. Elle est un peu lourde, hein, faites bien attention, mais elle est vraiment super équipée et très jolie. Si vous cherchez une souris sans fil super intéressante, Razer Basilisk X HyperSpeed pour 37,99€, c'est vraiment top. C'est une souris polyvalente avec une très très grosse autonomie. Celui qui cherche maintenant une souris plus compétitive, la Logitech G Pro, 75€ tout pile. Au niveau casque, il y en a deux qui sont vraiment super, HyperX Cloud 2, moins de 50€, c'est vraiment excellent. Je le rappelle, le Cloud 2, c'est en version USB, donc là, à ce prix-là, il n'y a rien à dire. Et le Cloud Alpha, moins de 50€, c'est top. Au niveau du son, la meilleure qualité, c'est une connectique jack cette fois-ci, donc il faut quand même une bonne carte son pour en profiter. Au niveau fauteuil, moins 20% sur pas mal de fauteuils ici. On est chez Rue du Commerce avec le code siège 20, notamment les Noble Chair, etc. Donc moins 20%, j'aime bien notamment le Noble Chair Epic blanc noir. Si vous cherchez une webcam sans vous ruiner, Logitech C615 pour moins de 30€, c'est top. Et donc un peu plus intéressante avec l'éclairage qui est vraiment super important. Pour 62,99€, la Razer Kayo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais le prix est vraiment très bien. On termine avec les PC portables et les PC. Si vous cherchez un PC gamer, on fera un point demain sur tous les PC gamers qui seront super intéressants. Donc demain, on sera le 22. Donc premier PC multimédia de la marque Huawei, le MateBook D15 2020, 15 pouces. C'est relativement intéressant, les caractéristiques sont vraiment pas top, mais pour du multimédia, pour surfer sur internet, un peu de bureautique, pour 445€, il est vraiment bien. Si vous voulez un PC un peu plus avancé, le Lenovo IdeaPad, avec un Core i5 qui est quand même plus costaud, 8Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10 également, pour moins de 600€. Top prix pour le PC portable de chez HP, le Victus, moins de 700€, c'est une nouvelle baisse de prix, il était à 749€. En plus de ça, il y a 30€, je le rappelle, offert tous les 200€ d'achat, donc ça doit être plafonné à 90€. Donc moins de 700€, les caractéristiques, c'est top, hein. 16 pouces IPS, donc je pense que c'est une dalle 60Hz, j'ai pas trouvé vraiment les détails. Ryzen 5 5600H, 16Go en DDR4, 512 de SSD, RX 5500M, Windows 10, donc caractéristiques au top, pour moins de 700€, en plus de ça avec 90€ de bon d'achat. Autre PC gamer super intéressant de chez Dell pour 1099€, toujours pareil, 90€ de bon d'achat. Caractéristiques au top, ce PC tourne en temps normal à 1200-1300€. 15 pouces, 120 Hz, Core i7, performant, 16Go en DDR4, 512 de SSD, Windows 10, RTX 3060 dans une version musclée. Donc prix très intéressant en ce moment. Et pour finir, celui qui cherche un PC gamer, et on en verra d'autres demain comme je vous ai dit, pour 1600€ avec 90€ de bon d'achat. Un PC tout complet Lenovo avec Windows 10 et très très bonne configuration. RTX 3070, comme vous savez actuellement, c'est environ 1000€. i5 11400F, très performant. 16Go en DDR4, 512 de SSD, Windows 10, il y a le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc un PC assemblé à prix très correct, mais comme je le dis souvent, les PC constructeurs, c'est plus difficile à faire évoluer. Donc voilà pour la vidéo Black Friday de ce dimanche 21 novembre 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à checker bien sûr la description pour retrouver tous les bons plans. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye.